Je suis avec Fabiola Barrera, directrice de Facilicity. Bonjour Fabiola. Bonjour Andréane. Alors, vous me disiez à l'instant que l'ordonnance de la loi Elan est sortie le 30 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, la loi Elan est une loi très importante qui impacte pas mal d'aspects de notre société. Mais moi, ce qui m'interpellait, c'est ce qui concerne la copropriété, la réforme du droit de la copropriété et notamment le rôle du syndic. Le 30 octobre dernier, nous avons pu imaginer que le syndic aille au-delà de sa mission première qui est la préservation et la valorisation du bâti et assume désormais pleinement sa dimension servicielle. Et alors du coup, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Moi, c'est exactement ce sur quoi nous nous sommes construits, puisque Facilicity est un opérateur de services qui a englobé les services immobiliers, l'administration de biens, les services à la personne et l'animation de communautés de vie. Donc là, clairement, on assume la posture d'un syndic qui va au-delà de sa mission et qui assume ses services. Et donc c'est quelque chose qui est plutôt bien pour vous ? C'est excellent. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'aventure Facilicity ? Vous avez ouvert un emplacement sur Paris, oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Comment est-ce que ça se passe ? Écoutez, ça se passe très très bien. Nous sommes ravis de l'accueil, surtout de l'accueil de nos habitants, des voisins du quartier, puisqu'en fait c'est un lieu ouvert aux voisins du quartier. Ils sont tous très très curieux, très bienveillant et commence à constituer cette communauté dont nous rêvions. Et comment est-ce qu'on constitue une communauté ? Par exemple, moi j'arrive, oui, demain, je sonne à la porte, vous rentrez surtout, rentre. La porte est ouverte, vous rentrez, vous allez rencontrer un facilitateur qui va prendre du temps avec vous pour connaître vos besoins, quels qu'ils soient. C'est vos besoins du quotidien, c'est de ça dont on parle. Il s'agit pour nous de vous accompagner dans vos projets, que ce soit emmener les enfants à l'école à l'heure ou faire la sortie du dimanche ou assister à un atelier collaboratif sur la peinture ou toute autre chose. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est vous faciliter le quotidien. Donc, vous rentrez, vous rencontrez un facilitateur, vous pouvez également trouver des circuits courts, des produits en circuit court vraiment sourcés en local en Ile-de-France. Pas de jus d'orange, mais du jus de pomme, du jus de poire et passer un très bon moment avec nous et puis ensuite souscrire d'autres services et d'autres prestations. Alors vous parliez de faciliter la vie des gens. Moi je pense qu'une des choses aussi qui peut faciliter la vie des gens, c'est le digital. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Absolument. Ça ? Absolument. Dans quelle mesure est-ce que selon vous le digital peut aider la vie Le quotidien et la vie des gens ? Bah, de toute façon, ne serait-ce que dans l'organisation de Facilicity, le digital est indispensable. Nous avons donc en lieu, on vient d'en parler, des équipes, on en a aussi parlé, mais une application digitale que nous avons nous-mêmes développée qui inclut l'ensemble des prestations, à la fois donc l'administration de biens, autrement dit le suivi des signalements et les actes de gestion d'un immeuble, que ce soit dans une partie commune ou dans une partie privative, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'animation de vie et la souscription directement sur l'application de services. Donc j'ai envie d'un panier bio, je suis chez moi sur mon canapé, je commande mon panier bio, je le paye directement sur l'application, je vais le chercher soit auprès des équipes facilitatrices, soit dans des consignes connectées qui sont ouvertes au quartier et nous sommes les premiers à mettre en place ce dispositif-là. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui que les différents métiers de l'immobilier, selon vous, intègrent cette notion du digital ? C'est quelque chose qui est évident ou est-ce que c'est Alors, encore difficile ? Je pense que ça devient de plus en plus évident. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon, en tout cas à mon sens, pour respecter l'attente de nos clients qui est d'être réactif. Comment on peut être réactif ? On ne peut qu'être réactif avec du digital. Nous avons automatisé les actes de gestion par un dispositif digital. Bien sûr qu'on est tous impliqués, que chaque gestionnaire a envie de bien faire, mais si on ne l'aide pas au quotidien par ces outils-là, on a beaucoup plus de mal à avoir un bon résultat.
Et il y a un besoin de se retrouver en communauté aussi aujourd'hui, chose que le digital peut aider à. C'est un outil, c'est un moyen. C'est un moyen. Et ce que j'ai constaté, c'est que désormais, ces communautés digitales sont de plus en plus tournées vers le local. C'est-à-dire que l'attente du consommateur n'est plus de vivre le digital comme on zappe, c'est universel, on a l'information partout. Non, on a envie du digital pour trouver ce lien nécessaire et retrouver en proximité notre communauté. Alors, c'est Facilicity, c'est quelque chose qui est sur Paris? Oui. Uniquement sur Paris pour le moment? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de s'étendre? Facilicity a ouvert sa première Facilicity à Paris, mais est également présent sur d'autres territoires en France, notamment à Marseille. Le deuxième lieu physique va s'ouvrir à Marseille. Et à chaque fois que les programmes Quartus sont livrés, Quartus, notre promoteur maison mère, je l'accompagne sur l'ensemble des territoires. Donc, nous sommes aussi à Clermont, à Nantes, à Lille, à Lyon. Mais vous parliez du coup de ce besoin de proximité. Oui. Est-ce que c'est finalement les habitants de la ville qui veulent retrouver ce sentiment d'être dans un village, de connaître les gens qui les entourent? C'est exactement ça. Lorsqu'on s'installe quelque part, l'enjeu, c'est de donner du sens à cette volonté de vivre comme dans un village. C'est-à-dire, il y a aussi un effort de démobilité. On n'a plus envie, en rentrant chez soi, de reprendre sa voiture et d'aller faire les courses à 15 km. On a envie de tout trouver à proximité et de partager en proximité. Nous, Facilicity, essaie d'accompagner cette attente-là et de faciliter cette attente-là. Et alors, donc aujourd'hui, nous sommes au Rent, l'édition 2019, le Rent, si on peut dire. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être dans ce salon et de parler de ce que vous faites et justement de tout ce dont on vient de parler? Pour nous, c'est un salon qui a accompagné notre réflexion depuis pas mal d'années, en fait, depuis 2-3 ans, de façon un peu régulière, puisqu'ici, nous avons rencontré, trouvé de nouvelles façons de faire, de nouvelles technologies, des innovations dont nous nous sommes soit nourris, soit avec lesquelles nous nous sommes associés pour créer ce concept de Facilicity. Donc, le Rent est vraiment un endroit où on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une certaine effervescence. Absolument. Aussi qui se passe, une manière aussi de rencontrer, de voir les dernières innovations. Alors justement, vous, si je devais vous demander l'innovation digitale qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus changé la vie, alors à titre vraiment personnel, c'est le fait que je suis une immense lectrice. Je suis fan de littérature, ça déborde chez moi de livres. Et depuis que je peux lire sur mon iPad, ça m'a beaucoup fait gagner en poids. En place? Ouais. Donc ça, vous le ressentez vraiment dans votre quotidien? Oui. Et finalement, est-ce que, justement, en tant que grande lectrice, on peut entendre les critiques à l'égard de l'absence du papier, de l'odeur, de l'encre? Ça me fait plonger tout autant dans les histoires. Donc, c'est plutôt une bonne innovation. Absolument. Dans ce cas-là. Et alors, si on devait parler du côté professionnel, peut-être une innovation digitale qui a forcément révolutionné votre... C'est l'application Facilicity. Évidemment. Merci Fabiola Berrera d'avoir été avec nous.